pas très longue. Voilà, je vais pas faire une très très longue vidéo. Je vais juste faire une petite vidéo pour vous montrer où j'en suis arrivée sur la commode. Bon, elle avance doucement, mais sûrement. Alors là, je suis un peu coincée parce que ben, je suis tombée en panne de tissu pour l'intérieur. Voilà ce qui me reste. Donc j'en ai recommandé ce week-end chez mon fournisseur. Donc ben, là, je devrais le recevoir là d'ici 2-3 jours. Donc ça va aller assez vite. Ça y est, en attendant, je couperai du carton. Je m'avancerai. Et donc, j'ai commencé à bien, enfin, bien avancer. Voilà où j'en suis. Voilà. Donc, les 5 casiers pour les mettre, les tiroirs sont faits. 1, 2, 3, 4. Et là, ce sera celui du dessus. Hein. Il va y avoir une planche qui va venir au-dessus. Donc, comme il y a, c'est pas une erreur. Hein. Là, c'est un grand tiroir. Là, c'est un grand tiroir. Là, c'est un plus petit. Ici, un peu plus petit. Et au-dessus, ici, il va être un peu plus petit. Donc, comme cela. Alors, ici, j'ai commencé les tiroirs sur le côté, les tiroirs carrés. Donc là, j'ai commencé le premier et c'est là que je suis tombée en panne de tissu. Donc il va y en avoir un deuxième et un troisième au-dessus. Voilà. Donc pour cela, par contre, pour les carrés, j'ai galéré pour calculer, vraiment pour faire les carrés, pour que ce soit vraiment nickel chrome, comme j'aime bien que ce soit. Mais de toute façon, le cartonnage, il faut que ce soit un carré, sinon ça rentre pas. Donc là, j'ai commencé à couper déjà les planches qui vont aller dessus, voilà, sur les côtés et tout. Et là, maintenant, il va me rester, enfin, il va me rester, non, il me reste encore pas mal de cartons à couper. Hein, je vous rassure, enfin, je vous rassure, si c'est une façon de parler. Là, il va me rester donc ici la planche qui va venir complètement sur le dessus. Là, ben, fait finir les deux. Comment, les deux casiers pour mettre les deux tiroirs carrés, voilà, ici, hein, comme je viens de vous dire. Et après, il me restera donc à construire le couvercle. Alors, je ne sais pas encore si je fais un couvercle à charnière ou un couvercle collé. Donc, ça, je vais voir. Et après, il me reste les tiroirs à faire. Voilà. Donc, j'ai encore du boulot. Donc, vous voyez. Donc, bon, j'espère que ça ira. Le problème, c'est que j'espère ne pas tomber en panne de carton. C'est surtout ça, parce que bon, le carton, il me faudrait une semaine pour l'avoir. Mais si je tombe en panne, je serais bien obligée de le recommander. Alors, pour les tiroirs, j'ai cherché des. Parce que d'habitude, je mets des petites poignées en métal. Parce que les commodes, bah, comme celle-ci, hein, voilà, des petits. Alors, je vais tirer un tiroir pour vous montrer de plus près. Vous voyez, souvent, je mets, voilà, des petites poignées comme ça. Mais là, je voulais mettre des poignées qui soient un peu plus conséquentes, puisque la commode est plus grande, et qui sortent de l'ordinaire. Bon, j'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé qui pouvait me plaire. Parce qu'avant de plaire à la cliente, il faut que ça me plaise à moi aussi. Sinon, j'ai pas le plaisir de faire la construction. Si je mets des trucs moches qui me plaisent pas, bah, ça me plaira pas. Donc, je parlais de ça avec mon fils. Je disais, ouais, je trouve pas de poignée. Ou alors, si j'en trouve, mais en Chine. En Chine, ok, mais bon, déjà, il va falloir 2 mois pour les recevoir. Et puis, bon, la qualité, ça va pas être top. Voilà. Et mon fils me renvoie un message en me disant, ben,
je te montre, je peux te faire ça. Alors, en sachant que mon fils a des imprimantes 3D, il en a plusieurs. Il a d'ailleurs fait, là, pendant le confinement, beaucoup de masques, de visières. Il a fait des visières, il a fait d'autres choses, je ne sais plus quoi, bon, pour les pompiers, pour une maison de retraite, pour pas mal de choses. Voilà, bah, comme il travaille, il pouvait pas travailler, il a passé son temps à aider, voilà, comme il pouvait avec ses imprimantes 3D. Et donc, il m'a fait des petites poignées pour mes commodes, pour ma commode. Pas pour la commode de ma cliente. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà ce que ça fait. C'est des petites poignées diamants faites en résine. Donc, à l'imprimante 3D. Voilà. Donc, je les aime énormément. En plus, c'est des poignées que la personne va retrouver nulle part, puisque là, elles sont uniques. Donc, ce sera la petite touche personnalisée encore en plus sur cette commode. Là, elles sont brutes. Hein. Elles ne sont pas... Elles ne sont pas colorées. C'est la résine brute. Donc, ce matin, j'ai fait un essai. Là, c'est pas encore tout à fait sec. Voilà. J'ai fait un essai à la bombe argentée. Donc, après, je vais voir peut-être pour le vernir. Mais là, il faut que je laisse sécher encore. Voilà. Vous voyez. Donc, je fais un essai sur une pour l'instant, voir ce que ça donne. Donc, je verrai ce soir, une fois que ce sera bien sec. Si je vois que ça, le résultat ne me plaît pas trop, bon, je verrai en faisant à la main, avec un pinceau. Mais bon, en sachant qu'il y en a quand même 14 de poignées. Voilà, vous voyez, j'ai quand même 14 poignées que mon fils m'a fait. Bon, on verra bien. Donc, je suis contente, du coup, pour ça. Voilà. Ça va donner une petite touche originale à la commode. Donc, il m'a mis les vis même avec. Donc, c'est super. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher après les vis. Et comme le tissu extérieur va être... je vous l'ai montré, hein, le tissu extérieur, voilà. Et noir avec un liseré... c'est pas vraiment blanc, c'est plutôt gris. Donc, je pense qu'en, vous voyez, avec la poignée grise comme ça, ça va être super joli. Voilà. Donc là, maintenant, je laisse sécher la poignée. Puis après, je verrai donc pour les peindre toutes. Je vais toutes les mettre sur des pics et du polystyrène. Et puis, allons-y guingant avec la bombe. Je suis toujours aussi fatiguée, hein, je suis désolée. Sinon, voilà. Je dois attendre mon tissu. Donc, moi, je vais finir de couper les cartons en attendant. Déjà, au moins, la plaque du dessus, les plaques pour finir les trois petits coffres pour faire les petits tiroirs. Voilà. Et après, je verrai pour faire les tiroirs. Je pense que je... Enfin, c'est une idée que j'ai. Le dessous de la commode, là, souvent, vous voyez, comme celle-ci. En dessous, c'est directement du tissu. Là, je vais peut-être faire un fond en liège. Voilà. Pour pas que la commode s'abîme. Si jamais la personne doit bouger la commode ou quoi. Je vais peut-être faire un fond en liège. Au lieu de faire le fond en tissu. Sinon, voilà. Pour l'instant. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé ce que j'utilisais comme colle.
je vais enlever le prix, mais bon. Le prix, là, c'est, en ce moment, c'est le prix que je... Heureusement, mon libraire, enfin, c'est pas un libraire, c'est la presse, mon magasin de presse, qui est à côté de chez moi, vend la même la colle que j'utilise. Donc, je suis super contente. Je n'ai pas besoin de passer de commande sur Internet, ni de courir dans la ville voisine pour aller chercher ma colle. Et puis, il ne la vend pas beaucoup plus cher que sur Internet et que dans la ville. Par que là, j'ai des contenants que d'un litre, mais bon, ça me va. Alors, voilà la colle que j'utilise pour le cartonnage. Donc, c'est la Vinylic Ecole multi-use, donc multi-usage. Donc, c'est la colle Vinylic sans solvant, hein, ce qu'on appelle aussi la colle blanche. Voilà, donc c'est la marque Cléopâtre. Donc elle me sert pour le tissu, pour le carton. Application française, il y a le petit drapeau. Hein. C'est de la colle française, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mauvais produits dedans, ni rien. Alors alcool, le papier, le carton, le polystyrène, le bois. Et donc elle devient translucide en séchant. Elle est nettoyable à l'eau. Avant séchage, alors avant séchage, il n'y a aucun souci, et je vous dirais sur vos outils, même une fois que c'est sec, hein, sur vos pinceaux, sur vos ciseaux, sur votre tapis de travail, hein, comme moi, vous voyez que le mien est souvent tout dégueu. Donc là, la colle est complètement sèche, hein, et durcie. Il n'y a aucun souci, hein. Je passe tout sous le robinet à l'eau tiède, ça s'en va tout de suite. Donc même sèche, la colle s'en va. Et sinon, ben voilà, c'est ce qui est marqué. Voilà. Donc c'est la colle, elle est faite à Ballan, dans le 37. Donc si vous connaissez ce département. Sinon, alors, pour les enfants, il faut quand même l'utiliser sous la surveillance d'un adulte. Hein. Mais bon, ça, on sait. Donc, il n'y a pas... Mais c'est une très bonne colle. J'en change pas. J'ai déjà essayé... Bon, là, le litre, chez mon magasin presse, je paye 5 euros. Ça va. De toute façon, chez Pickwick, je crois que celui-là... c'est pas long, ça va être dans les 5 euros aussi, hein, chez Pickwick. Ouais. Donc, elle est pas très chère, hein, puis elle colle très, super bien. Voilà, donc j'en change pas. Je vous dis, j'ai déjà changé une fois, j'ai essayé, c'était la cata. Donc, je ne change plus. Donc voilà, je voulais donc vous montrer où j'en étais. Là, après, sur le devant, c'est pareil, il va y avoir la cartonnette, hein, qui va venir pour cacher toutes les arêtes. Et ça va être recouvert de tissu. Voilà, il y a des petites arêtes là qui dépassent, mais bon, ça y est, je vais les recouper un peu. Ça, c'est pas un problème. Sinon, ben voilà. Donc là, je réfléchis pour le couvercle. Excusez-moi, mais je ne sais pas ce que j'ai là d'un coup. Pourtant, je ne sais pas quelle heure il est. Bon, 1h20. Et j'ai pourtant fait un gros dodo toute ma nuit. Le gros bébé a fait toute la nuit. Et j'ai même... Alors, ça fait... Hein, je fais de l'apnée du sommeil. Et donc là, pendant tout le confinement, je n'ai pas mis ma machine. De toute façon, c'est ça que je suis fatiguée. J'ai pas mis ma machine du tout pour dormir. Là, cette nuit, je l'ai mis. Et j'ai su la garder toute la nuit, donc je suis contente. Mais maintenant, bah, c'est pour ça que je suis fatiguée. Parce que je ne mettais pas ma machine. C'est pas bien. Voilà, je vais me faire engueuler par mon médecin. Parce qu'eux, ils vont le voir, hein, sur la disquette. Sur la disquette, il voit, et
la société qui nous prête les machines, eux le voient à distance. Donc je vais me faire en irlandais. Bon, ça y est. Je trouverai une excuse. Je dirais que c'était à cause du virus. J'avais peur. En plus, c'est pas vraiment un mensonge parce que j'étais pas en confiance. Avec ma machine et puis le virus qui traînait, j'étais pas en confiance. Mais bon. Donc voilà, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Hein, je vous raconte ma vie. Là, ça commence à sécher. Voilà, ça sèche là. Voilà, bon, ben maintenant je vais attendre que le tissu arrive hein, pour continuer. Et puis je vous referai une vidéo pour la suite, bien sûr. Et alors, je sais pas si je vous referai une vidéo comme l'autre jour en train de travailler la commode et de papoter, ou si je vous fais une vidéo comme aujourd'hui pour vous montrer où j'en suis arrivée. Je verrai. Voilà. Il faut aussi que je continue mon album, là, parce que bah, là, j'ai complètement raté le défi de Sylvie. Hein, j'ai pas fini l'album. mais bon, il n'y a pas de souci, hein, je vais le terminer. Et puis sinon, oh, j'en ai marre. Je crois que je vais aller grignoter un truc, boire un bon café. Ça va me remettre d'aplomb. Et on se retrouve rapidement donc pour une nouvelle vidéo en meilleure forme. Ah. Et oui. Donc on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures, plein de belles choses. Et la suite de la commode, du diamond painting, de l'album et puis des choses nouvelles. Voilà, j'ai des petites idées, donc il faut que je mette tout ça en place. Allez, à bientôt, je vous fais des plein de bisous. C'est le déconfinement, mais c'est pas pour ça qu'il faut jouer au con. Hein, voilà, on va dire les mots comme ils sont. Soyez sages, continuez à être sages. Faites bien attention à vous. Et on se retrouve très rapidement. À bientôt, bisous, bisous.